Bonsoir et bienvenue à Espace public. Bien contente de vous retrouver avec, entre autres, une chronique de l'UPA sur l'achat local à l'approche du temps des fêtes, etc. Alors, on va vous donner quelques petits trucs et conseils, comment procéder. Alors, c'est à venir dans l'émission. On sera vraiment dans la thématique du temps des fêtes avec un spectacle qui a été présenté par le CJE de Frontenac. Alors, ce sera présenté de façon virtuelle, bien sûr. Changement par rapport à la formule habituelle, vous aurez tous les détails. On reste dans la thématique du temps des fêtes de Noël. Stéphane Garneau est avec nous. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Comment ça va? Très bien, toi? Oui, à chaque fois qu'on se rencontre, c'est pour des beaux projets. C'en est un, celui-là aussi, un tout nouveau livre, donc. Oui, c'est mon neuvième. Donc, ouais. Je fais ça à temps perdu. Puis là, ça fait longtemps que j'étais un fan de Noël. Ça faisait longtemps que j'avais le goût d'écrire quelque chose sur la fête, mais je ne voulais pas écrire de quoi sur le récent. Je voulais avoir vraiment de quoi de plus ancien. Puis nous, au centre d'archives qui est à côté de la bibliothèque où je travaille, bien, les plus vieux journaux datent environ de 1915. OK. Fait qu'on est retourné le plus loin qu'on pouvait aller parce qu'il n'y a pas vraiment de source sur la période des fêtes. Les gens n'écrivaient pas des archives qui ont légué sur ce qu'ils vivaient à Noël. Fait que c'est la meilleure façon de savoir comment les gens vivaient le temps des fêtes, c'est par les journaux d'époque. Oui. Un travail colossal, j'imagine. Bon, déplucher le tout, là, on se rend compte qu'on a probablement des petits bijoux entre les mains. Mais comment on fait pour classer, choisir tout ça, l'orientation aussi du livre? Bien, j'ai décidé d'aller un peu de choisir. J'ai dit, à l'époque, c'était quoi pour Noël? Fait que j'ai comme divisé mes chapitres selon, bon, je veux pas, à l'époque, c'est la religion. Fait que j'ai mis le premier chapitre, c'est le religieux. Et un petit peu, le deuxième chapitre, lié un peu à la religion, c'est la charité. Parce qu'à l'époque, la charité, bien, encore aujourd'hui, avec la guignolée, oui, mais déjà vrai. À l'époque. C'était très présent. C'était très, très présent. Puis après ça, je suis allé sur les origines. Avant, on voit l'évolution du personnage du Père Noël, puis comment les traditions sont installées dans la région. Et puis, bon, après ça, on tourne vers les cadeaux pour le quatrième chapitre et on finit avec la table, ce que les gens mangeaient à l'époque. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans vos recherches ou des surprises dans le sens où, oh mon Dieu, on faisait ça comme ça? Ou même, à la limite, ah, bien, ça n'a peut-être pas changé tant que ça. Bien, il y a des choses qui se ressemblent. Hein. On parle, aujourd'hui, on parle beaucoup du temps des fêtes au niveau de la boisson. Bon, déjà qu'à l'époque, on parlait en 1917, que c'était vendu pour 5 000 $ de boisson à Thetford Mines juste dans le temps des fêtes. Bon, c'était pas quelqu'un qui s'en vantait, évidemment, c'était pour parler de... Bon, on était contre ça, le fait que les gens... C'était l'ivognerie à l'époque. Hein, c'était pour dénoncer. Il y avait des litres de tempérance, donc c'était contre ça. Et puis, les gens mangeaient beaucoup ce qu'on mangeait aujourd'hui parce qu'il faut savoir que les classiques étaient déjà là. La dinde existait déjà. La bûche était créée vers 1870 par des pâtissiers parisiens. Donc, c'était déjà présent, mais il y avait des choses, c'est sûr, les fameuses oranges. Bon, on en voit dans les journaux d'époque, on voit des publicités où on met les oranges en vedette parce que c'était pas un mets commun. C'est soit on les mettait dans des bas ou encore on les mettait sur la table pour faire joli et c'était faisait partie du réveillon. La messe, comme on disait à l'époque, aujourd'hui, il y a juste la messe de minuit, mais à l'époque, il y avait trois messes à Noël. Il y avait la messe de minuit, qui était la messe quand même la plus importante. Il y avait la messe de l'aurore, qui était la messe du dimanche, du matin de Noël, et la messe du jour, qui était un petit peu plus tard au courant de la journée. Donc, on avait vraiment trois messes. C'est sûr que la messe de minuit est encore la plus populaire comme aujourd'hui. Tellement que si on n'avait pas de banc réservé, il fallait réserver sa place auprès du sacristain. Puis là, on disait même que, bon, les gens qui n'ont pas de place dans l'église, on veut pas avoir... Si vous n'êtes pas chanteur, vous n'êtes pas supposé être à côté de l'orgue. Fait qu'on s'imagine que des fois, il y avait des gens qui montaient jusque dans le jubé en haut tellement que l'église était pleine. J'imagine. Et même les chants, bon, c'était beaucoup les mêmes chants parce que la plupart des chants étaient écrits soit du Moyen Âge et même jusqu'au 19e siècle. Fait que c'était vraiment encore les mêmes chants qu'aujourd'hui. Par exemple, le fameux Minuit chrétien a été écrit dans les années 1870 environ. Et on l'appelait aussi le chant d'Adam à l'époque parce que celui qui a composé la musique, c'était un monsieur Adam. Fait qu'on disait ça des fois dans les journaux, on va voir, tel chant personne, parce qu'on mettait vraiment la liste de qui chantera quel morceau à la messe de minuit. Et on parlait du chant d'Adam et non du Minuit chrétien. Ce qu'il faut savoir... C'était personnalisé. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les curés n'aimaient plus ou moins le Minuit chrétien parce que ça volait le show un petit peu à la messe. Les gens voulaient voir qui allait chanter le Minuit chrétien, est-ce qu'il allait avoir la fameuse note à la fin. Donc, ça enlevait un petit peu l'importance à la messe parce que le religieux devait passer par-dessus le profane. Oui. Très intéressant tout ça. De quelle façon vous avez fait le livre? Est-ce que c'est une narration? Est-ce qu'il y a des personnages? Non, c'est vraiment à partir... C'est beaucoup d'articles tirés des journaux d'époque. OK. Parce que je dis, on va beaucoup citer ce qui était à l'époque, donc les gens vont voir le parler de l'époque. Parce que les journaux ne parlaient pas comme aujourd'hui. Donc, c'est drôle de voir, on va dire même monsieur, madame, une telle sont en visite chez leur parenté pour le temps des fêtes. Fait que, à l'époque, telle fête, c'était pas trop grand, 1915-1935. Et puis, on voit là, toutes les publicités, tout le nom du personnage. Ce qui est le fun, c'est que, longtemps, ici dans la région, comme toute place catholique,
au début, on était un peu touché par le Père Noël, ces choses-là. On disait que c'était le petit Jésus qui donnait les cadeaux le matin de Noël. Puis, il veut pas, ben, on est proche du monde anglo-saxon. Fait qu'à un moment donné, bon, on est arrivé avec le Santa Claus. Alors, les premières mentions, déjà en 1915, on parle que Santa Claus, il est situé au King Cash Store, qui était un magasin assez important à l'époque sur la rue Notre-Dame. Et puis, il distribue des sacs de bonbons, une demi-livre de bonbons aux enfants. Et on dit qu'il en a distribué 2000 en 1915. Et puis, le nom va changer du personnage parce que, bon, le monde s'en souvient peut-être, mais en 14-18, c'est la Première Guerre mondiale. Santa Claus fait un peu consonance allemande. Et on est en guerre contre les Allemands. Mm-hmm. Donc, on va changer le nom début des années 1920 pour le Bonhomme Noël. Et là, on voit que la légende est... Elle doit encore se bâtir parce qu'on dit que le bonhomme Noël a son char tiré par ses chèvres. Okay. Et on est encore à bâtir la légende. Oui, on n'est pas sûr. Là. Ouais. Et puis finalement, bon, vers le milieu des années 1920, là, on va virer au Père Noël, qui est la traduction du littéral Father Christmas, qui était utilisé par les anglophones. Donc, on voit toute la mouvance de changement. Ouais. Les origines. Il y a l'histoire aussi de la page couverture de votre livre qui est très intéressante parce que, bon, depuis tantôt, vous nous parlez de 1915, etc. Alors, c'est une tradition. C'est une publicité, juste la partition ici, Santa Claus at Telford Mines. C'est une publicité justement du King Cash Store. On cherchait un nom pour le volume. Ouais. Et on a vu le haut, on a dit, on a le volume, on a juste pris le haut de la publicité, Santa Claus at Telford Mines. Alors, c'est l'original. C'est l'original. Et puis, on a juste rajouté un sous-titre en dessous pour avoir le titre du volume, dans le fond. On est, c'est parfait. On a notre titre, pour se causer la tête, et ainsi de suite. Puis, ce qui est fun aussi, c'est de voir qu'il y a des choses. On a parlé de ce qui ressemble aujourd'hui. Oui. L'achat local. Tu parlais de l'UPA, de l'achat local. Oui. Ben, déjà, en 1915, ces choses-là, on parlait de l'achat local. Puis, à l'époque, c'était pas l'Internet, évidemment. C'était quoi? C'était les catalogues des grands magasins. Pourquoi envoyer votre argent à Toronto ou à Montréal en commandant chez Eaton ou chez Eaton? Quand vous pouvez encourager nos marchands locaux? Tout l'argent que vous envoyez dans les autres villes, ben c'est de l'argent qui reste pas ici pour nos commerçants. Fait que on voit que plus ça change, on va plus se retrouver. Oui, puis c'est tout un pan de l'histoire aussi. Il y a des gens qui vont pouvoir lire ce livre-là en se remémorant. Mm. Ou bon, oui, j'ai déjà entendu un grand-père, par exemple, me parler de telle époque. Et ce qui est drôle aussi, c'est que déjà à l'époque, on entend parler du Noël du bon vieux temps. Hein? Noël n'est plus comme c'était autrefois. On est en 1915-1935. Ouais. Alors, imaginez maintenant. Mm. Mais comme vous le dites, il y a des ressemblances aussi ou des cycles aussi, des choses qui reviennent, des expressions, etc. C'est comme déjà, bon, la fameuse guignolée, elle existait déjà à l'époque aussi. À l'époque, bon, comme je disais, la charité était importante. Donc, ce qu'on faisait, c'est beaucoup des fois des tirages parce qu'il y avait un orphelinat à Black Lake ici. C'était l'orphelinat du Lac Noir, donc. À chaque année, on faisait des tirages pour pouvoir donner des cadeaux de Noël aux orphelins. Mm. Et on avait la fameuse guignolée qui, au départ, était située autour du jour de l'an. Puis au début des années 1920, on va la rapatrier, je vous dirais, juste la veille de Noël. OK. Donc, on va se mettre comme on passe dans les rues, ramasser les victuailles et l'argent. Tu sais, des fois, on va ramasser au-dessus de près de 500 $ en argent. Puis ce qui est drôle, en disant, c'est quand même une petite compétition. Puis là, c'est pas toujours les mêmes... personne qui ramassait la guignolée, des fois c'était les chevaliers colons, des fois c'était l'œuvre de la jeunesse. Puis là, il disait, ben. Qui disait, ben là, c'est pas parce que c'est vous autres que c'est les chevaliers colons qui ont ramassé tel montant. Nous autres, l'œuvre de la jeunesse, on a fait un plus gros montant, puis ils se tiraient un peu la pipe par les journaux. Donc c'est drôle de voir à l'époque, ils disaient, ouais, non, c'est pas votre faute si on a eu plus d'argent cette année que l'année passée. Oui, mais l'importance des archives, l'importance d'aller rechercher toute cette histoire-là et de la faire ressortir. En 2020. Quelle belle idée, vraiment. Les gens peuvent se procurer votre livre à quel endroit? Oui, bien, le livre est disponible sur place à la librairie L'Écuyer. Sinon, le livre est aussi au centre d'archives. C'est sûr que présentement, le centre d'archives étant dans le cégep, c'est fermé. Ouais. Mais si vous voulez avoir une copie par la poste, vous pouvez écrire au centre d'archives. C'est archives avec un S, A commercial, cégeptelford.ca. Donc, je leur mentionne que vous voulez avoir une copie du livre. Eux, ils vont vous répondre et ils pourront vous l'envoyer par la poste. Je pense que le livre coûte 15 $, mais il va vous racheter des frais de 2 $ pour les frais de poste. Très bien. Sinon, à la librairie L'Écuyer, sur le boulevard Frontenac. Super, on parlait d'achat local. Ben, c'est une très belle façon d'encourager pour le livre et la librairie en même temps. Super beau projet, M. Garneau. Vraiment, là, très, très beau projet. C'est une belle suggestion à glisser aussi dans le bas de l'arrière. Oui. Merci. Merci.
Nous allons maintenant parler agriculture. Elle s'appelle Natacha Lagarde. Elle est la deuxième vice-présidente au niveau de l'UPA. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, ça va vite, mais bien, j'imagine. C'est en plein ça. Ça va occuper. Hein? On va dire ça comme ça. Exactement. Il y a plein de choses dont on veut parler, évidemment. Là, on n'a que quelques minutes pour le faire. On va parler d'achat local, entre autres, etc. Mais tout d'abord, j'ai envie de parler de vous, en fait. Du côté au niveau de l'entreprise, bien sûr, vous êtes une femme d'affaires. Oui. Et vous êtes une femme d'affaires aussi dans un milieu essentiellement d'hommes. Alors, j'ai envie qu'on démêle un petit peu tout ça. Faire de l'agriculture en 2020 quand on est une femme, est-ce que c'est quelque chose qui est relativement facile? Bien, moi, je serais portée à dire oui. OK. Par contre, c'est pas ce que tout le monde vit. Mm. On s'entoure souvent de gens qui sont à peu près comme nous. Donc, si moi, je dis oui, ben les gens autour de moi ont aussi de la facilité. Par contre, il y a encore... on a encore des situations qui nous arrivent, là, tel un fournisseur qui veut parler au boss, mais en nous regardant, il cherche le boss dans le cours. Ça arrive encore là, sur nos fermes en 2020. Incroyable. Ça arrive encore un financier qui va venir dire, oui, est-ce que vous êtes seul sur la ferme? Est-ce que vous allez être capable? C'est un peu pesant, les voir être... On a encore ces problèmes-là à gérer. Puis je vais dire problème, là, parce qu'on n'aurait pas à... On n'a pas à nous challenger sur nos compétences. Mm-hmm. Là, c'est trop lourd. Je vais toujours bien trouver quelqu'un qui va pouvoir me lever ou un mécanisme. Là, c'est ça. Donc, on n'a pas à se faire challenger sur nos compétences. Ça arrive encore en 2020, malheureusement. Parlez-nous un petit peu dans le milieu dans lequel vous travaillez. En fait, est-ce que c'est une ferme familiale? Comment tout ça est arrivé dans votre vie? Nous, on l'a acheté en 2010. En fait, je ne viens pas, moi, d'une famille d'agriculteurs. Je viens de cette île. Je connais beaucoup les fruits de mer, là, mais pour l'agriculture... C'est autre chose. Je dis tout le temps la blague. Fardoche était mon seul agriculteur que je côtoyais. Donc, mais quand même, c'est ça, des bons trucs. J'en avais un, au moins. C'est ça. Quand je suis arrivée ici, mon conjoint est ingénieur rural. Donc, il me dit on pourrait aller visiter une érablière. Et moi, dans ma naïveté, je me suis dit, mon Dieu, ça a bien l'air beau projet. Oh, ben oui, on pourrait partir ça avec deux jeunes enfants en bas âge, là, même pas au scolaire. Là. Donc, j'ai parti ça. J'ai appris à la dure, mais j'ai appris. Puis, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Puis, au Québec, c'est pas vrai qu'il y a trop d'érablières. C'est vrai, on entend souvent ça. Il y a trop d'érablières, non. Ouais. Non, il n'y a pas trop d'érablières parce que moi, souvent, il y a bien longtemps, le sirop ne se rendait même pas à cette île. Donc, il n'est pas si loin, c'est la Côte-Nord. C'est vrai. Donc, il n'y en a pas trop. Tout le monde a le droit à sa part de tarte, puis je pense que tout le monde a sa place. Comment ça se développe dans le sens où est-ce que vous voyez de plus en plus de femmes s'impliquer ou vouloir? Parce que, on parle souvent des métiers traditionnellement occupés par des hommes, par exemple, mais est-ce que vous voyez de plus en plus de femmes intéressées, soit à prendre la relève d'une ferme familiale, par exemple, ou carrément, comme vous, dire, qu'est-ce qu'il y a à vendre? Dans quoi je peux m'impliquer? Bien, j'en vois beaucoup. Qui s'intéressent, j'en vois qui veulent acheter, j'en vois qu'ils ont des parts égales, mais on a encore du travail invisible sur les fermes, on a encore des femmes qui s'impliquent, mais qui ne sont pas rémunérées, qui disent, moi, ça fait partie du travail de la ferme, vu que la maison est sur la ferme. On a aussi encore de ça. Mais je pense qu'il y a plus de femmes qui prennent leur place, mais ça, c'est pas encore... C'est pas quelque chose de naturel encore. C'est ça. Là. C'est pas calculé non plus. Là. On n'a pas de chiffres là, pour dire on est rentré chez vous et on vous a demandé. C'est bon. C'est un peu délicat comme question. Ouais. Mais quand même, il y a des formations qui existent. Des femmes, par exemple, qui sont sur une ferme depuis plusieurs années, qui veulent faire reconnaître leurs acquis, par exemple, ou leur formation, des années d'expérience. Tout ça est possible aussi. Hein? Oui. En plein ça, il y a plein de formations. Puis, il y a plein de techniques qui, là, on l'a connu avec la pandémie, là, le télétravail, le Zoom, le Team, le Meet, puis nommez-en. Donc, ça l'a appris aussi de pouvoir avoir des formations, rester à la maison, pouvoir s'occuper de celui-là qui est le plus jeune, qui est à côté. Donc, ça l'a permis peut-être d'aider là, les femmes là, à réussir à avoir leur formation. Là. Parlant d'aide, évidemment, on a vu cette solidarité québécoise dans les derniers mois auprès des agriculteurs, des producteurs, en fait. Là. On a vu les gens se mobiliser et tout ça. Mais c'est un travail qu'on fait depuis plusieurs années. Là. Bon, évidemment, là, il y a eu comme le déclic, malheureusement, une pandémie, mais... si on reste dans le positif, on peut dire que les gens sont au rendez-vous. Là. Oui, les gens, on les a vus sur les fermes cet été en autocueillette. Moi, ça fait longtemps que je prône le marché de proximité. Mm-hmm. Ça, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les autres formules. Il faut bien se comprendre. Là, les gens ils disent « Ah oui,
C'est une formule de plus et c'est une formule pour apprendre qui sont les gens sur les fermes. Ce qu'on a plus ou moins fait durant les dernières années. Et là, les gens ont réalisé, parce qu'il y a quelque chose qui est égal pour tout humain, on doit se nourrir, idéalement 3 fois par jour. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ben, on est là pour ça. Là. Nous, on est là. Et les gens aiment savoir notre histoire. Puis, qui de mieux qu'un agriculteur ou une agricultrice pour expliquer c'est quoi l'agriculture? Exactement, parce que vous avez les deux pieds dedans, comme on dit. Là. Donc, le processus n'est pas trop compliqué dans le sens où j'ai fait ça, voici ce que j'ai récolté et voici ce que vous pouvez acheter directement au kiosque. Donc, il y a peu ou pas d'intermédiaires à ce moment-là. On a parlé beaucoup d'achat local. Bon, vous vous êtes joint l'UPA à différentes... vous avez été très proactif là, dans les derniers mois, là. Oui, bien, on a été proactifs. L'UPA provincial a mis sur pied l'application Mangeons local. Mm-hmm. Donc, on a été appelés aussi à faire des publicités durant le début de la pandémie, là, pour Mangeons local plus que jamais. Donc, ça a été sur les réseaux sociaux, à la télévision aussi, pour que les gens... on se rend compte que les gens, ils savaient le marché de proximité, mais où sont les gens? Ouais. Ils sont où les agriculteurs qu'on peut? Donc, avec une application sur le téléphone, et maintenant, c'est disponible aussi sur PC, ordinateur. Donc, vous pouvez vous faire des circuits, trouver... En Chaudière-Appalaches, on a plus de 60 fermes qui sont inscrites. Donc, de pouvoir aller au kiosque, et même si les fermes vendent en ligne, ils peuvent s'inscrire aussi. Donc, les gens, ben, on connaît là, la vente en ligne, là, c'est quelque chose d'assez... D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont dû s'adapter aussi au niveau des producteurs en disant, bon, ben là, il faut trouver une façon de rejoindre notre clientèle, etc. Donc, de leur côté aussi, ça a pris... une grosse adaptation aussi. Hein? Oui, bien, la vente en ligne, c'est pas quelque chose qu'on faisait d'emblée. Mm-hmm. Moi, j'en faisais depuis 2012 et on me disait, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais d'envoyer des cannes de sirop par la poste? C'est beaucoup trop pesant. Ouais. Et là, si on voit, on envoie là, des télés, des vélos et des meubles. Ouais. Donc, si on regarde, il y a eu une évolution, puis je pense que c'est bien aussi, mais c'est encore un mix de tout, là, d'une vente en ligne, de proximité et des autres canaux de distribution. Voilà, vous avez dit, entre autres, et on pourra terminer là-dessus, de se faire un circuit. Donc, les gens peuvent aller télécharger l'application ou aller chercher de l'information sur le site Internet de l'UPA, j'imagine, tout est là? Oui, ou dans l'App Store ou Android, Mangeons local, plus que jamais, vous allez trouver l'application. Merveilleux. Merci beaucoup de votre visite en studio aujourd'hui. Merci. Pour le CJE de Frontenac, maintenant, Mme Guylaine Bournoyer est avec nous. Alors, bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Superbe spectacle, donc, qui a été mis sur pied. Et la clientèle, ce sont les aînés. C'est les aînés, mais on veut l'offrir à toute la population. Le spectacle a été mis sur pied pour offrir du bonheur dans cette drôle de période-là, cette année. Comment l'idée est venue, en fait, au départ, là? Le Centre de pédiatrie sociale, depuis 6 ans, faisait des paniers de Noël qui appelaient. Il allait porter ça à des familles démunies, puis il chantait à la porte avec des gens. Et on a repris les mêmes personnes à la musique pour faire le spectacle de Noël. Donc, on a discuté de ça, voilà, à peu près 3 semaines, 1 mois. On a mis ça sur pied rapidement avec l'aide de partenaires et ça a donné là, le spectacle qui sera présenté. Un autre bel exemple d'événement qui a lieu depuis quelques années, qu'il faut rechanger un petit peu la formule ou s'adapter. J'imagine que les gens qui y participent depuis plusieurs années étaient contents de savoir que la formule serait différente, mais serait quand même présentée ou du moins on pourrait faire du bien aux gens. Là. Bien, effectivement, ils étaient très contents parce qu'ils ne pensaient pas du tout de le faire cette année. Dans les dernières années, en plus de le faire aux portes, ils le faisaient aussi dans les résidences pour personnes aînées. Donc, le projet, on s'est parlé, puis là, ils ont déposé un projet justement pour rendre ça plus joyeux. Mm-hmm. Fait qu'on a décidé de le faire, puis avec l'aide de Nous.TV, on a réussi à faire filmer pour pouvoir présenter à toute la population. Donc, tout le monde va pouvoir
regarder ce beau spectacle. Pouvez-vous nous donner un petit peu peut-être le contexte, comment ça a été tourné, l'endroit et tout ça, les chansons qui ont été choisies aussi peut-être pour nous, nous titiller un petit peu? Les chansons, c'est surtout les gars du band qu'ils ont choisis, sont habitués de faire de la musique ensemble, donc ils sont allés avec ça. On a eu la chance de pouvoir filmer au vitrail, donc ça va être, c'est très, très beau, le décor est beau, c'est, la luminosité, c'est parfait. Donc, à partir de là, bien, les chansons se sont jouées, mais on a décidé d'intégrer des jeunes aussi. Okay. Il y a eu des enfants qui sont venus. On va avoir la visite surprise du monsieur de Noël. Le Père Noël va passer. On va aussi avoir des personnes un petit peu plus, des adolescents, qui sont venus chanter, jouer de la musique. On a des violonistes. On a pas mal de tout. Je pense que ça va faire du bien aux gens qui vont regarder ce spectacle-là, mais probablement que ça a fait beaucoup de bien aussi à ceux qui y ont participé. Parce que là, on était comme chacun de notre côté depuis les dernières semaines, les derniers mois, de se retrouver, de jouer de la musique, de partager cette passion-là, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien, c'était le fun de l'organiser aussi, il faut le dire, parce que justement, on voyait des gens. Ce qui était le plus difficile, c'était de le faire à 2 mètres, parce qu'effectivement, on avait des tout petits qu'il fallait aider à avancer. C'était un petit peu plus difficile, parce qu'à 2 mètres, de rester loin... Mais les gars du band ont vraiment très, très bien fait ça. Et tu vois qu'il y a des professeurs de musique, des gens qui sont habitués d'être là-dedans. Ouais. Fait que ça a donné quelque chose de bien. Là. Nos petits-enfants ont vraiment ressorti. Là. Comment ça va se passer, la diffusion, ou du moins comment les gens pourront regarder le tout? Bien, ils vont pouvoir le regarder sur les ondes de nous.tv à partir de décembre. Bon, on est déjà en décembre, mais prochainement. Prochainement, c'est ça. Fait qu'on va pouvoir le diffuser. Puis ceux qui ne l'ont pas, bien, on va pouvoir offrir un lien aussi là, pour qu'ils puissent le voir. Parce que le but ultime est vraiment de l'offrir à tous ceux qui sont seuls chez eux. Hein? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont passer du temps seuls durant la période des fêtes pour pouvoir voir leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, au moins de voir peut-être des gens qui connaissent ou la petite fille d'une telle ou d'un tel. Fait que peut-être que ça va mettre du bonheur dans leur cœur. Puis ça recrée des discussions après parce qu'on est beaucoup au téléphone. Bon, certains aussi sont en conférence via le web et tout ça. Mais à un moment donné, tu sais, vu qu'il se passe moins de choses, les sujets de discussion des fois, alors là, t'as-tu vu une telle, j'ai entendu la chanson. Donc, ça amène... beaucoup de gaieté, là. Oui, ça amène de la gaieté. Puis il y a des organismes aussi qui ont participé, qui sont venus dire un mot à la population. Pas juste notre clientèle. On est allé, là, vraiment avec toutes les clientèles puis avec tous les gens de la région, mais d'ailleurs aussi, où ce qui est diffusé nous.tv, parce que c'est important d'aller rejoindre chaque personne dans son foyer. Oui, parce que vous l'avez dit, bon, en période de pandémie, il y en a qui sont seuls. On est obligé aussi, à cause de la formule, de l'aide davantage. Donc, chacun chez soi, mais ensemble, c'est la formule que vous proposez là, cette année. Oui, puis les petits-enfants, s'ils ne peuvent pas voir leurs grands-parents parce qu'ils sont dans des résidences ou peu importe qu'il y a des risques, bien, le grand-parent pourra au moins voir son petit-enfant chanter, voir sa petite fille jouer de la guitare ou des choses comme ça, ou pourra dire, comme je dis, là, hey, telle personne était là. Fait que je pense que ça va donner un bon mot au cœur dans cette période plus difficile. Exactement. Alors, bravo pour l'implication, vraiment. C'est à surveiller, donc, sur les ondes de Nous TV pour sa palette. Là, d'ici les prochaines semaines, tout au plus quelques jours. Là. Donc, vous pourrez regarder. Bravo pour votre implication. Bravo à toute l'équipe aussi, à tous ceux et celles qui ont participé. Là. Bien, merci. Puis surtout, merci aux gens qui ont déposé le projet pour que ça puisse avoir lieu. Tout à fait. Belle implication. Merci beaucoup. Where it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing alleluia, 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 alleluia. Alors voilà, ça conclut notre émission de cette semaine et notre saison particulière 2020. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à mes invités, chroniqueurs, collaborateurs de cette année. Merci de s'être plié aussi à toutes les mesures sanitaires. Merci à l'équipe également avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Sur ce, on vous souhaite un excellent temps des fêtes et on se retrouve en 2021.